Alors, mesdames et messieurs, bonjour et puis merci de vous être déplacés donc au salon de l'automobile pour découvrir notre dernière innovation technologique, à savoir l'éthylotest intégré, éthylotest qui fera désormais partie de tous les véhicules dès la rentrée. Alors, je vois dans vos petits yeux coquins de constructeurs automobiles cette inquiétude. Est-ce que son utilisation est simple? Et la réponse est bien sûr oui, parce que cet éthylotest s'utilise comme tous les autres, à savoir que le conducteur va souffler son haleine fétide dans l'embout, vont être détectés les effluves d'alcool et voyez qu'il est ensuite relié à un petit boîtier lui-même muni d'un petit voyant rouge qui s'allume si jamais l'alcoolémie est bien trop forte et que le conducteur ne doit pas, ne peut pas conduire. Donc tout de suite, démonstration. Donc vous avez ici une bouteille contenant un alcool assez fort et voyez-vous, je le mets tout simplement au contact de l'éthylotest et le voyant ne va pas tarder à s'allumer. Alors attendez, parce que en fait, c'est vrai que comme il n'y a pas de mouvement de souffle, c'est vrai que du coup ça marche. Non, parce que normalement le conducteur souffle de. Bon, attendez, bon, le mieux c'est qu'on fasse les conditions réelles. Excusez-moi. Alors, donc, vous êtes donc maintenant en face d'une personne ayant consommé un peu d'alcool. Et vous voyez qu'elle, cette personne va donc souffler dans l'éthylotest, et vous voyez que les molécules d'éthanol se mettent au capteur, et que cette fois-ci, le voyant ne va pas tarder à s'allumer de rouge pour montrer la forte alcoolémie. Alors, vous voyez, que nous dit le boîtier? Le voyant n'est pas rouge, donc c'est... C'est que la personne présente une alcoolémie en dessous du seuil normal et que donc elle ne représente aucun danger potentiel pour les autres conducteurs de la route, les autres usagers. Elle peut donc démarrer tranquillement et reprendre le volant, ce qui ne serait pas le cas si elle avait une plus forte alcoolémie, cas que nous allons bien sûr envisager maintenant. Alors, voilà. Maintenant, vous êtes devant une personne qui a beaucoup consommé, vraiment beaucoup d'alcool, mais au-dessus de la limite envisagée. Là, vous voyez que les molécules de tanniol se colle comme ça contre l'éthylotest. L'éthylotest. pas l'éthylotest. L'éthylotest, c'est pour quand tu veux tester si t'es bien épilé. C'est encore un bon. Alors. Non, parce que il y a beaucoup de gens qui disent c'est dangereux de conduire bourré. Mais conduire poilu, c'est pas mieux. Hein. Mais même si je vous le concède, l'alcool tue beaucoup plus de gens que les poils. Hein. Et, j'ai l'impression que vous comprenez pas ce que je raconte. Je suis pas impressionné, moi. Non, mais je veux dire, si il faisait is a man, he's walking on the street. Le conducteur, il est bourré, splash. Le man sous les jantes. Sous les gentlemen. Alors. Hein? Oh, monsieur le directeur. Ah non, moi, absolument pas consommé d'alcool. Hein? Moi, viens. Mais viens, pourquoi si j'ai consommé. Je vais bien savoir comment vous pouvez savoir que je suis bourré parce qu'il marche absolument pas votre éthylotest. Hein. Fallait l'allumer. Ah. Ça, c'est toujours comme ça. Une femme, pour qu'elle garde son emploi, faut qu'elle allume. Hein. Nicole Serroni qui nous revient en forme en 2012. Je crois que je n'ai pas
vendu la mèche, si j'ose dire, en disant cela, et que je n'influencerai pas les notes et les votes dans le public, parce que manifestement, j'ai entendu beaucoup de rires. Voilà pourquoi je me permets cette petite remarque avant même de découvrir les notations des uns et des autres. Oui, Nicole ? Je me dois de dire une petite précision. Le liquide contenu dans la bouteille n'est bien sûr pas de l'alcool. Voilà. C'est de l'urine. Oh non. Sur 20, Isabelle Mergault, vous lui donnez à Nicole 19. Merci. Merci. Jean-Benguigui, 17. Merci. Catherine Barma, 18. Merci. Et pour moi, c'est 17 aussi. Voilà, merci. Bravo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là.